Alors, Joe Biden, 46e président des États-Unis, une investiture hors du commun avec l'absence du président sortant. Le Capitole a été, il y a près de 15 jours, investi par les pro-Trump. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr, avec le premier discours du président des États-Unis, Joe Biden, il va incarner aujourd'hui la rupture avec la politique de Trump? La rupture avec quelques facettes de cette politique de Trump, notamment en ce qui concerne le multilatéralisme, les engagements des Américains par rapport au climat, par rapport à l'OMS, par rapport peut-être aussi à l'accord nucléaire avec l'Iran, mais aussi une continuité en matière de projection, de réalisation de certains axes de la politique étrangère déjà lancée par Trump, notamment en ce qui concerne le Moyen-Orient. Mais est-ce qu'on considère aujourd'hui que Trump a bousculé tous les protocoles existants depuis, bien sûr, sa prise de fonction aux États-Unis, il y a de cela pratiquement 4 ans? C'est un président hors du commun. Un président qui a son propre style, qui a causé pas mal de rifts politiques aux États-Unis, mais qui a aussi créé des précédents, soit en matière de gestion des problèmes internes liés notamment aux relations interraciales. On l'a vu aussi par rapport à certains choix de personnel politique, et on l'a vu hier par rapport à son absence remarquée contre l'investiture du président Biden. C'est une première depuis 1865, donc la fin de la guerre civile aux États-Unis, mais aussi c'est une première par rapport aussi au non-respect des protocoles présidentielle. Hier, c'était une investiture exceptionnelle ici, vu le contexte du Covid-19, mais aussi le contexte d'insécurité déclarée par les différentes institutions du renseignement aux États-Unis. Précédent même au niveau de la politique internationale, même s'il n'a pas déployé l'armée américaine à l'international, mais il a fait autrement la politique de guerre et de déstabilisation des États. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Joe Biden va rompre totalement avec cette politique, où il est dans la continuité puisque l'administration américaine demeure la même? Madame, il faut savoir que Biden était contre la première guerre d'Irak en 1991, mais était totalement pour la guerre d'invasion de l'Irak en 2003. Il faut aussi dire que pendant sa vice-présidence avec Obama de 2009 à 2017, il était aussi engagé dans un certain nombre de schémas d'agression, d'attaque, mais aussi de déstabilisation d'un certain nombre de pays. En matière de politique étrangère, d'engagement militaire américain, il y a un certain nombre d'acteurs qui définissent les différents choix, les différentes alternatives de rationalisation en politique étrangère. J'estime qu'on verra plus d'engagement militaire avec Biden qu'avec Trump. Avec Trump, c'était une attaque en 2017, avril 2017, contre la Syrie, mais aussi une présence au sol de pratiquement 500 soldats aujourd'hui. Des engagements mitigés en Afghanistan, en Somalie et en Irak, mais aussi des engagements autrement dans la reconfiguration stratégique dans un certain nombre de régions, à savoir notre région, mais aussi dans la région Pakistan, Afghanistan, etc. Donc il y a une révision contextuée des choix, mais on reste toujours dans une stratégie qui définit les différents choix pour les différents présidents. Mais est-ce qu'on peut considérer déjà que nous avons une idée de ce qu'il va engager en priorité au niveau, par exemple, du Proche-Orient? Proche-Orient, il faut dire que les choix de Trump, de Biden, d'Obama, de Bush et autres sont toujours les mêmes. Il y a trois grandes priorités. La première, c'est la protection d'Israël, la préservation de son hégémonie stratégique régionale. Deuxième, c'est par rapport à la protection des intérêts économiques et énergétiques. Et troisièmement, il faut dire qu'avec le remodelage stratégique mondial, notre région constitue une courroie de transmission entre la puissance américaine dans la zone euro-atlantique et les fondements de la nouvelle logique mondiale dans l'Asie Pacifique. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans la continuité? Joe Biden est associé directement à la politique du président, bien sûr, Obama. Avec Obama, il y avait... Certains disent que ça sera le mandat d'Obama par procuration.
mandat de ma papa pour que ce soit encore passé, il y aura beaucoup de points en commun, mais il y aura aussi des changements vus deux ensembles de paramètres. Les paramètres, c'est par rapport aux différents choix qui ont été mis en œuvre par Trump depuis 2017. Le deuxième choix, c'est par rapport au nouveau contexte mondial post-Covid qui ne sera pas le même. Donc, les premières priorités ont été définies hier par Biden. C'est le retour au multilatéralisme, donc par rapport à l'OMS, par rapport à l'accord de Paris sur le climat, mais aussi par rapport à une certaine volonté de réviser les relations quelque peu endommagées par Trump, notamment avec l'OTAN, avec l'Union européenne. Donc c'est pour arriver à créer une nouvelle logique, disons, d'alliance fonctionnelle, mais aussi une nouvelle logique de projection de puissance des États-Unis à travers le monde. Mais quand on parle du multilatéralisme, est-ce que c'est une sorte de désaveu indirectement par rapport à la politique déjà engagée antérieurement par Donald Trump? Absolument. Parce que par rapport au dossier, par exemple, du Sahara occidental. Le Sahara occidental, le multilatéralisme serait le cadre où la question du Sahara occidental sera résolue. J'estime que... C'est pas aux États-Unis de décider. J'estime que d'ici octobre 2021, madame, avant le renouvellement du mandat d'Amin Rousseau, beaucoup de choses vont changer, notamment le retour à la logique du droit international. On a vu même aux États-Unis, il y a beaucoup d'appels pour... le strict respect de ce droit, mais aussi de la mise en œuvre du mandat d'Amin Rousseau quant à l'organisation d'un référendum d'autodétermination selon des schémas négociés. Mais par rapport au multilatéralisme, c'est aussi une certaine volonté des États-Unis à se réapproprier un choix, non pas seulement diplomatique, mais stratégique depuis 1919. Depuis la conférence de Versailles, les États-Unis se sont engagés dans des constructions d'alliance, mais aussi d'organisation où elle se préserve des choix, mais aussi où elle exerce pas mal d'influence par le biais aussi de l'argent, mais aussi par le biais d'alliances conjoncturelles opérantes au sein de ces institutions. Avec Trump, c'était le refus, presque un refus catégorique quant à le désengagement des États-Unis depuis 1945 avec les différentes structures des Nations Unies. On l'a vu précédemment avec l'UNESCO, on l'a vu avec l'OMS, on l'a vu avec l'OTAN par rapport au partage des fardeau budgétaire, etc. Donc aujourd'hui, j'estime qu'il y a un retour au principe de base de la diplomatie américaine, le multilatéralisme, puis la construction d'alliances à travers le monde. Et hier, Biden, c'était le multilatéralisme, les alliances et une projection de puissance et d'influence à travers le monde. Mais comment il va pouvoir réparer un peu les dégâts déjà occasionnés par Donald Trump? Comment il va le faire? Par rapport justement à la reconnaissance de l'autorité marocaine sur les territoires du Sahara occidental, comment il va le faire? Il ne peut pas le faire parce que déjà on a vu le 21 décembre passé, madame, le Conseil de sécurité avait rejeté catégoriquement l'accord malsain et immoral entre l'entité sioniste de Maroc et les États-Unis. Le territoire du Sahara occidental est un territoire non autonome, qualifié ainsi par le droit international. Les choix pour le règlement sont pratiquement définis dans un certain nombre de résolutions, notamment la 690 instituant la MINURSO. Donc c'est un choix d'autodétermination par voie référendaire. Aujourd'hui, même aux États-Unis, au sein du Congrès, au sein du Sénat, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont en faveur, premièrement du respect du droit international, deuxièmement aussi du respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il faut, de mon point de vue, ce problème sera, les États-Unis vont revoir leur position par rapport à leurs engagements au sein des Nations Unies. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant bien sûr de la première déclaration du président Joe Biden lors de son investiture, qu'il va essayer de rétablir aussi la confiance avec les autres pays du monde, puisqu'il déclare « Le monde nous regarde aujourd'hui, je lui dis que nous allons redevenir un exemple, nous serons un partenaire de confiance pour la paix mondiale ». C'est important. C'est un discours.
Mais il faut dire aussi que dans les choix et les modes de rationalisation des États-Unis, la puissance est multidimensionnelle. Donc la coopération ne constitue qu'un élément. Donc les conflits, la déstabilisation, l'usage des armes, le toppling, comme il l'appelle, c'est toujours des éléments dans la mise en œuvre des choix de leur stratégie de puissance, mais aussi par rapport à leur volonté de concrétiser leurs propres intérêts mondiaux. Il faut savoir, madame, que depuis toujours, depuis pratiquement 1823, avec la doctrine Monroe compte aux Amériques, on a vu depuis la fin de la guerre mondiale, le monde est un champ d'action, est un champ d'intérêt pour les États-Unis. Donc il faut s'attendre à des discours, disons, du soft power, mais plutôt des fois l'usage de la force pour la préservation ou pour la concrétisation d'un certain nombre de choix et la réalisation d'un certain nombre d'intérêts. Pour la région, par exemple, du Maghreb, l'Algérie, qui a aujourd'hui, bien sûr, un accord stratégique avec les États-Unis. On a un dialogue stratégique. Le dialogue stratégique. On a vu arriver ces derniers jours de hauts responsables américains en Algérie. Pour les États-Unis et le Maghreb, j'estime que l'Algérie a beaucoup d'avantages comparatifs à faire valoir, et aussi aux États-Unis qui a comme logique dans cette région la préservation d'un certain équilibre dans ces relations, malgré que avec Trump on a vu pratiquement un chamboulement de cette logique, notamment en ce qui concerne le Sahara occidental et ses différentes implications à la fois sur le plan de la sécurité régionale, mais aussi sur le plan des engagements des États-Unis dans cette région. L'Algérie qui constitue, il faut le dire, un pivot stratégique dans la région, de par sa puissance militaire, première puissance militaire en Maghreb, mais aussi première économie, première démographie, un axe important sur le plan géopolitique et géoéconomique. Donc les États-Unis ont toujours vu en notre pays un partenaire fiable, mais aussi un acteur de stabilisation dans cette région. Mais l'arrivée de hauts responsables américains en Algérie il y a quelques jours de cela, est-ce que c'est un signe de confortement de la fermeté des relations entre les deux pays dans le cadre bien sûr de ce dialogue stratégique sur le plan sécuritaire également qui pourrait être élargi aux aspects bien sûr économiques? On a vu, madame, depuis pratiquement septembre, on a vu un ballet diplomatique américain dans notre pays avec l'ancien ministre de la Défense, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Mais la deux symboliques, la première symbolique, c'est cette symbolique de partenaire privilégié en matière de sécurité, mais aussi la deuxième symbolique, c'est un pays qui est le seul pas mal d'opportunités, soit énergétique ou économique, même commercial. Alors, M. Mohamed Barrouk, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à notre région, par rapport à notre pays, par rapport au potentiel qui pourrait être exploité et exploré par les Américains. Bien sûr, on a vu en septembre arriver le ministre de la Défense américaine en Algérie pour les questions sécuritaires qui concernaient bien sûr la Libye, la stabilisation actuellement en Libye et également au niveau du Sahel. Plus tard, il y a quelques jours, il y a eu le sous-secrétaire d'État américain au Moyen-Orient et Afrique du Nord qui a été reçu par les plus hauts fonctionnaires de la Défense nationale, également par le ministre des Affaires étrangères, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la possibilité de hisser les relations économiques au même niveau que les relations sécuritaires? Puisqu'il y a toujours eu cette coopération au niveau sécuritaire, elle n'a jamais été rompue, mais au niveau économique, ça reste quand même relativement faible par rapport au potentiel algérien. Il faut dire que l'Algérie, comme les Américains nous qualifient, on est un partenaire stratégique, comme je disais, fiable, mais aussi de confiance. Et un partenaire qui a une expertise en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes connexes, c'est un partenaire acteur de stabilisation dans cette région et au-delà. Surtout depuis les événements de 2001. Absolument. Les événements de 2001, on a vu pratiquement une consolidation réelle de notre partenariat dans ce domaine avec les États-Unis, avec beaucoup d'autres acteurs. Dans la lutte contre le terrorisme. Avec les États-Unis, il faut dire qu'il y a sur trois points des relations politiques assez bonnes. Sur le plan sécuritaire, elles sont excellentes. Sur le plan économique, il y a beaucoup à faire. On est toujours
vu comme un marché. Ils sont présents dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Il y a eu un projet dans l'industrie biotechnologique, mais on voit que les Américains ont toujours soulevé deux points, la bureaucratie et l'instabilité juridique concernant les investissements. J'estime qu'avec cette volonté nationale de revoir à la fois les textes permettant des partenariats entre des partenaires algériens étrangers, avec la révision de la règle 51-49, mais aussi avec cette volonté de diversifier notre économie, il y aura beaucoup d'opportunités à pouvoir pour nos partenaires étrangers. Le potentiel, il est important, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine pharmaceutique. Aujourd'hui aussi, par rapport aux renouvelables, les Américains pourraient jouer un rôle prépondérant, puisque ça relève aussi de la sécurité énergétique. Absolument, dans les énergies renouvelables, dans les industries, disons, agroalimentaires, dans l'agro-industrie, donc dans le pharmaceutique, dans les nouvelles technologies, etc. Donc c'est des secteurs qui sont porteurs, c'est des secteurs qui sont aussi stratégiques pour notre pays, notamment ce qui concerne cette volonté de briser cette dépendance monoproduit par rapport aux hydrocarbures, monopartenaire par rapport à l'Union européenne, pour essayer de créer aussi une nouvelle logique de développement plus inclusive et plus durable. Et j'estime qu'avec ces schémas, cette volonté de diversifier, il y aura nécessairement un certain nombre d'ouvertures par rapport à des partenaires étrangers. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que le déploiement américain au niveau du continent africain, c'est dans le cadre de faire barrage à d'autres pays, comme par exemple la Chine, la Russie et également la Turquie. Et la France aussi, absolument. Au niveau de ce continent. Madame, il y a pratiquement deux dates importantes, c'est 2006 avec la FICOM, cette volonté de créer une présence institutionnalisée militaire des États-Unis, mais aussi le discours d'Obama du 5 janvier 2012 concernant le redéploiement stratégique de la puissance mondiale vers l'Asie-Pacifique, mais aussi vers notre région. Comme je disais, notre région, on constitue un couloir, le couloir de Tampa-Dakha, comme est ainsi défini, c'est la couloir de transmission entre la dimension atlantique et la projection vers l'Asie-Pacifique. En Afrique, il y a une présence selon plusieurs schémas. Il y a des accords, ce qu'ils appellent les accords SOFA, Status of Forces Agreement, avec 52 pays africains, c'est pratiquement avec la majorité des États. Une présence dans au moins 17 pays. Ils sont à nos frontières au sud, avec le Niger, avec deux bases opérationnelles, avec quatre autres qui seraient opérationnelles d'ici de si peu. Ils sont aussi présents depuis longtemps à Djibouti, ils sont présents sous plusieurs formes, soit construction de capacité, soit manœuvre conjointe, soit en matière de conseil et d'assistance technique, à travers toute l'Afrique. L'Afrique constitue un terrain de convoitise, non pas seulement sur le plan économique et commercial, mais aussi sur le plan du déploiement stratégique. L'Afrique, c'est l'avenir économique du monde. Deux points sont réunis. Le premier point, c'est le changement de gouvernance, donc plus de rationalisation en matière de gouvernance. Et deuxième aussi, c'est par rapport au développement de nouvelles logiques de développement capables de réaliser des désengagements en matière à la fois de dépendance, mais aussi en matière de pratiques de corruption, etc. Donc par rapport à votre question concernant la Russie et la Chine. La Chine est présente maintenant à Djibouti avec une base militaire. La Russie est présente au Soudan avec notre base militaire. Et il y a aussi beaucoup de pronostics par rapport à une présence, une forte présence aussi chinoise au Mozambique, une forte présence chinoise aussi vers la côte atlantique, notamment en Angola. C'est des pronostics, il n'y a pas vraiment de rapport fiable sur lequel on pourrait annoncer une quelconque présence réelle au sol.
Alors, on sait aujourd'hui que les Américains suivent de très près les changements opérés au niveau de ces États, notamment notre pays, qui s'inscrit dans une nouvelle gouvernance, avec bien sûr l'adoption d'un certain nombre de mécanismes qui permettront une plus grande stabilité, aussi une plus grande transparence et lutte contre la corruption. Ce sont des éléments importants pour, bien sûr, rendre notre pays un pays attractif. Oui. L'Algérie est engagée sur le chemin d'une réingénierie du système, du mode gouvernance, mais aussi, une volonté d'engager un certain nombre de réformes en matière de gouvernance économique, financière et autre. Avec la consacrée aussi en premier lieu à la démocratie. Absolument. Dans l'ingénierie démocratique, on avait avec la Constitution. La loi électorale qui a consacré qui permettra de renouvellement des instances élues. Oui, qui a consacré 44, la Constitution qui a consacré 44 articles pour la promotion et des garanties en ce qui concerne les droits et libertés. On a vu aussi un élargissement de la séparation des équipes du pouvoir, on a vu aussi le raffermissement de cette volonté de lutter d'une manière institutionnelle et par un contre la corruption. Par rapport au projet de loi organique sur les élections, on a vu pour la première fois une parité homme-femme pour les listes électorales. Qui est consacrée aussi dans la Constitution. En ce qui concerne les droits économiques, donc dans le domaine professionnel. Mais c'est pour la première fois qu'on voit cette parité annoncée dans un texte aussi important. Avec aussi, 30% pour la jeunesse également. Avec le tiers pour la jeunesse, et aussi un certain nombre de garanties démocratique pour ces élections, notamment en donnant plus de prérogatives en matière d'organisation, en matière de supervision, en matière aussi de proclamation provisoire des résultats à l'autorité nationale indépendante des élections. Mais justement, par rapport à ce changement qui va être opéré, à l'issue bien sûr de l'adoption de cette loi qui va consacrer une plus grande transparence dans la tenue des élections, c'est ça le but recherché, il y a aussi cette volonté de ne plus voter pour une tête de liste, c'est-à-dire c'est une façon de lutter contre la corruption, mais pour une liste. Pour le choix des individus, pas celui qui est en tête de liste, c'est pour ne plus monnayer la tête de liste. C'est la première des analyses politiques. La première, c'est elle est juste sur un plan. C'est pour qu'il n'y ait pas d'utilisation de l'argent dans la confection de la liste, au moins des premiers noms de cette liste. Mais aussi, il faut dire qu'avec cette liste nominative ouverte, il y aura aussi d'autres soucis à prendre en charge. Par rapport à un certain nombre de paramètres, aussi l'argent. L'argent, l'utilisation de quelques référents qui doivent être aussi pris en charge pour qu'il n'y ait pas de dépassement quant au choix réel des élus. Quand je parle de ça, il faut parce qu'il y a beaucoup d'expériences à travers le monde où ces listes ouvertes ont causé pas mal de problèmes, notamment par rapport à l'utilisation de l'argent aussi. Dans les campagnes électorales, mais pour convaincre des électeurs à voter sur des noms et non pas sur des listes. Mais de point de vue général, c'est un gage de confiance pour, bien sûr, au niveau local, par rapport au rétablissement de la confiance au niveau des instances pour élus, pour bien sûr assurer la crédibilité des élections, que la voix des électeurs ne soit plus détournée, mais à la fois un gage de changement au niveau international, c'est important. C'est la lecture qu'on devrait faire aujourd'hui, puisque... Tout est suivi à la loupe par rapport aux changements qui doivent être opérés aujourd'hui en Algérie, également par les Américains. Absolument. Il faut dire que la première fonction d'une ambassade ou d'une chancellerie, c'est de suivre et d'étudier et de faire des analyses et des projections par rapport à ce qui se passe dans les pays où ils sont accrédités. Et en ce qui nous concerne... Et informer bien sûr, son pays. C'est constituer, non pas des opinions, mais des positions de leur pays. Donc, en ce qui concerne... notre pays, il y a une stratégie qui est adoptée, une stratégie que j'estime rationnelle. Commençons par une constitution adoptée par voie référendaire, et puis construire un consensus politique autour d'un projet de texte pour arriver à organiser des élections les plus transparentes et des plus crédibles depuis pratiquement notre indépendance. Et j'estime qu'au vu de ces choix,
c'est des choix qui vont consolider notre stabilité systémique et aussi qui vont donner plus de légitimité à nos institutions. Alors, Joe Biden aujourd'hui, c'est un démocrate. Sa politique sera différente de celle d'Obama. Obama, on se souvient, qui avait soutenu un peu les révoltes arabes. Bon, c'est, comme je disais, la déstabilisation a toujours été à l'ordre du jour, notamment dans notre région. Madame a vous donné juste quelques exemples depuis pratiquement 1958, de la chute de la monarchie en Irak, l'adoption de la première doctrine américaine, la doctrine d'Eisenhower, la doctrine de Carter, la doctrine de Reagan, la doctrine de Bush, le fameux discours d'Obama au Caire. You go now, trois points. Pour Hussein Moubarak. Trois points. Premier point, c'est la préservation des régimes, entre guillemets, amis aux États-Unis, au service des Américains. On le voit actuellement, et se focalise davantage sur les monarchies. Le deuxième point, c'est par rapport aussi à la projection d'un certain nombre de valeurs, de valeurs convergentes par rapport à leurs intérêts. La démocratie, qui était dans les trois premières, avec Eisenhower, avec Reagan et avec Bush et Obama, en ce moment, ce n'est plus une priorité. La priorité, c'est pratiquement la préservation de cette hégémonie stratégique d'Israël par des normalisations, par un affaiblissement des républiques. Cette normalisation va continuer. Elle va continuer, c'est un choix stratégique des Américains. Le troisième point, c'est les intérêts stratégiques comparatifs par rapport à cette émergente hyperpuissance chinoise, le retour de la Russie, les ambitions européennes sous un leadership allemand. Donc c'est aussi par rapport à ces trois axes importants de la stratégie américaine. Oui, mais l'Algérie aujourd'hui qui réaffirme son soutien indéfectible à la Palestine et également son refus catégorique de toute forme de normalisation avec l'État sioniste, ça pose un problème au niveau de cette région. Il y aura des tentatives de volonté de déstabilisation par rapport justement à cette politique de l'Algérie. Bon, l'Algérie a une politique constante concernant la Palestine. A aussi une politique constante par rapport à ses engagements dans le cadre du multilatéralisme international. Par rapport à la Palestine, il y a des résolutions, la 242 notamment. Par rapport à la Palestine, la 242 notamment, mais aussi d'autres engagements dans le cadre de la Ligue arabe, etc. Donc, en ce qui nous concerne, nos positions par rapport à la Palestine sont des positions de principe, de fraternité, mais aussi de droit international. L'État palestinien a été créé en Algérie. A été proclamé en Algérie le 15 novembre 1988. En ce moment, Biden ou Trump ou un autre, il va continuer dans cette logique de normalisation, parce que c'est pas cette normalisation que le parrainage américain d'Israël se transforma en véritable hégémonie israélienne dans la région. Les Américains ont créé Pour des intérêts strictement économiques. Stratégiques. Les États-Unis ont créé un autre ennemi, un ennemi des Arabes, c'est l'Iran. Donc l'Iran, qui n'est plus vu dans la région comme un partenaire, mais plutôt comme une source d'inquiétude à la fois militaire, mais aussi même des fois dogmatique. Mais on a vu aujourd'hui, par exemple, la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Dès qu'ils ont su, ils ont compris que Trump était fini. Est-ce que cette politique entre, bien sûr, les États arabes est dépendante des hommes, exclusivement des hommes? Non, aux États-Unis, c'est pas les hommes, c'est les institutions. Non, je parle des pays arabes. Aux États-Unis, c'est les institutions. Et chaque 4 ans, il y a une révision consensuel de l'international. Donc, on change les hommes, mais on ne change pas la politique américaine. Dans deux documents officiels, la NSS, la National Security Strategy, la NMS, la HMD. En ce qui concerne les pays qui n'ont pas de tradition démocratique, c'est pratiquement des choix qui ne sont pas nécessairement ni rationnels, ni vérifiés par rapport à une certaine conception de l'international. Par rapport au Qatar, madame, Qatar, c'est une normalisation des pays du Golfe qui aura nécessairement aussi des conséquences
sur la normalisation avec Israël. Il faut s'attendre d'ici quelques mois à la normalisation du Qatar avec Israël. Le partenariat qatari avec les Turcs est un partenariat qui sera un partenaire facilitateur de cette normalisation. D'ici quelques mois, on n'aura pas seulement les Émirats et le Bahreïn, le Qatar sera aussi. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Malheureusement, de nos jours, les choses importantes se décident ailleurs. C'est la loi du plus fort qui est exercée. Les pays ont perdu leur souveraineté. » Il y a pas mal de pays qui ont perdu leur souveraineté. Déjà, après la fin de la guerre froide, on parlait de l'érosion des souverainetés. Maintenant, un certain nombre de pays n'ont plus de souveraineté, même devient une souveraineté formelle, les justes juridiques. Donc, un certain nombre de pays n'ont plus cette indépendance décisionnelle. Ils sont au service de puissances étrangères, ils sont au service de schémas stratégiques des étrangers. Et j'estime que l'Algérie reste peut-être dans cette région un pays très jaloux de sa souveraineté. Une souveraineté qui a été découverte avec des millions de martyrs, avec beaucoup de sacrifices. Mais quand on dit les engagements de notre voisin à l'ouest, qui fait de la servitude stratégique, on se demande si souveraineté y est. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, par exemple, qui vous dit, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura beaucoup, c'est-à-dire de compromis qui vont devoir être accomplis aujourd'hui par les pays pour plaire aux Américains? Et cette guerre entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'elle va se poursuivre? Bon, il y a une compétition stratégique, il y a une compétition stratégique sur plusieurs niveaux, surtout sur le plan économique. La Chine, selon des projections, serait très proche de la puissance économique américaine d'ici 2030. Sur le plan militaire, il est en train de construire d'une manière endogène sa propre puissance militaire par une industrie militaire assez développée et très dynamique. On voit la Chine venir dans 65 pays avec sa route de la soie. On voit la Chine aussi devenir source de la finance mondiale. Il y a une dette américaine envers la Chine de plus de 3 300 milliards de dollars. On le voit aussi, la Chine venir se prendre la culture et l'information avec ses JTN et avec ses productions cinématographiques. On voit aussi la Chine venir par un certain nombre d'initiatives diplomatiques, dialogue avec l'Afrique, dialogue avec l'Amérique, dialogue avec le monde arabe, etc. Elle est en train de construire son influence. Sa présence militaire par le palais de Shanghai. Donc il y a cette concurrence stratégique. Les Chinois ont une projection en 2049 pour qu'ils deviennent une hyperpuissance mondiale. Les problèmes sur le plan des acteurs stratégiques mondiaux risquent d'être la Russie, où il y a un certain nombre de dossiers qui constitueraient des points de discorde avec les États-Unis, notamment l'Ukraine, potentiellement la Syrie. Donc il y a ces deux dossiers et il risque de voir un certain nombre de débats et même de divergences sur ces points. Le dossier qui risque aussi de coin interdit au monde, c'est le dossier iranien. La nomination de Burns comme chef de la CIA, Burns qui a été ambassadeur en Russie, mais qui a été un des architectes de l'accord de 2015, c'est un legs d'Obama, serait potentiellement... Et on dit qu'il est proche des Israéliens. Très proche des acteurs de la région et des pays du Golfe aussi. Donc il y aura nécessairement un dénouement de ce problème avec une relance du dialogue autour de l'accord de 2015. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle énormément d'exportation, on parle beaucoup d'échanges entre les États. Est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement nos produits pourraient être commercialisés aux États-Unis? Est-ce qu'ils nous connaissent déjà? Sur le plan international, les Américains ne connaissent pas beaucoup les États, mais ils connaissent, plutôt ils ne connaissent pas beaucoup les peuples, mais ils connaissent les États. Ils connaissent les peuples, ils connaissent les États, mais il faut dire que notre histoire avec les Américains, ça ne date pas de 1962.
Avec, bien sûr. Ça date de la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a eu aussi un grand événement pour la libération des otages américains. Oui, mais, qui a raffermi encore les relations entre l'Algérie. C'est le 40e anniversaire, le 11 janvier 2021. Mais il faut dire, madame. Et Kennedy avait été parmi les premiers à parler de l'indépendance de l'Algérie alors qu'il était sénateur. Oui. Mais il faut dire, madame, que nos relations datent de 1777. Donc c'est l'accord. Il faut dire que nos engagements avec les Américains n'étaient pas toujours coopératifs. La première frégate algérienne coulée par les Américains, c'était en 1805. Mais il faut dire que nos relations sont des relations, comme je disais, politiquement, elles sont assez bonnes, sur le plan de sécurité, sont excellentes, mais il y a beaucoup à faire dans le domaine, notamment économique et commercial. Alors, les USA, leur première industrie est militaire et leur copie stratégie, l'action subversive, alors que notre devenir ne va pas connaître de grands changements par rapport à la politique étrangère américaine. C'est le cas ou pas le cas? C'est le cas, parce que dans notre région, on est un acteur de stabilité, on est un partenaire mondial en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, mais on est un pays qui n'a jamais eu d'intention expansionniste, mais c'est un pays qui vit dans une région totalement déstabilisée, qui connaîtra le plus de déstabilisation en Libye, au Sahel, même en Tunisie où il y a des prémices d'une déstabilisation. Donc il faut dire, en ce qui me concerne, que nos priorités sont des priorités en matière de consolidation du front intérieur, mais aussi de la préservation d'une quelconque stabilité dans notre sous-région. Qui connaît une déstabilisation chronique. C'est notre prolongement naturel, c'est le cas pour la Libye ou le Sahel, c'est nos frontières. Est-ce qu'un partenariat solide avec les États-Unis n'impactera pas les relations avec la France, qui gouverne une bonne partie de l'Afrique depuis la nuit des temps? Nous sommes jaloux de notre souveraineté. Notre raisonnement rationnel ne pousse à dire que les partenariats doivent être multiples. Basé sur un seul partenaire, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire tous les acteurs capables d'apporter une plus-value dans nos relations. Monsieur Mohamed Barouk, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.